Quel est ton numéro, ma boy? Tu peux signer là. Si vous avez prêt à ce que vous avez fait, vous avez fait ce que vous avez fait. Vous avez fait ce que vous avez fait. Lundi, mardi, mercredi, je si nous avons ce qui est passé dans le cimetière, dans la Bible, nous avons dit que 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 nous avons dit 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, na 6h, comme vous foutez, na 18h. Moukwa Zagwana, à Tony, patron, bon, ça ne vient de gagner, Kenini. Na batou avant midi, na après midi, surtout Bandakikala, salaire, n'est-ce pas? Patron, le bagnin. Batala, hein? Batala, la banalité, batala, la souka. Pour ceux qui ont bandé nos biens bien à midi, on va aller dans les oiseaux salatés. Bon, fout d'ailleurs. Bien, il peut aller tout bas dans le sable, tout sable en soute. Bon, fout d'abus. Oui. Colloïe sur le baguette sort. Banda, mon salam, sous qui ça en haut? Sous le sous qui cité A. Mettez la main. Et vous allez bien, vous allez te. Au moment que vous êtes à côté de la yéte. Oui, Tikali, nous sommes dans la CDC, papa m'a dit que nous sommes dans la Tinsane. Bile, il y a une vision à ton royaume. Pour tout ça, la mise à la ming. Tu veux gagner, hein? Ngana si si na kombo tata mwana pe tata mwana mosa to amen amen pour la salle ça mes chers amis, au nom du Père, qui, Papa, qui, solo, quel est l'oukelo, mon modèle politique, du Fils, dit Papa, Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est notre modèle scientifique, et le Saint-Esprit, dit Papa, Dianguienda Kuntima, et celui-là, c'est le patron de la quatrième et dernière génération, sa divinité, Papa Simon Kibangu Kiangani, le geste spirituel et responsable légal du kibongisme, le patron de la quatrième et dernière génération, Dieu de cet esprit. Celui-là donc est notre modèle spirituel. Un 25 octobre extra, extra, extraordinaire. Nous sommes à jour J plus 3. Et oui, mes amis. Vous savez, nous avons la chance d'avoir Dieu, le Saint-Esprit, qui communique avec ses créatures, donc ses enfants. Extraordinaire. Dans le Kimbangu Muna, c'est-à-dire le monde calendaire, issu
de Pakundungu et Pelekete, ce jour, nous l'appelons le jour de Konzo. Le jour de Konzo, c'est-à-dire vendredi. Vous savez que les Kondri qui nous sont actuellement, qui a été décidé par le pape Grégoire, donc par les Occidentaux, dans leur inspiration, ils ont appelé ce jour vendredi. Vendredi parce que eux, ils vont ce qu'on appelle les signes zodiacales. Ils ont serré les signes zodiacales et par rapport à ça, ils ont décidé d'appeler ce jour-là Vénus, Veneris Day, c'est-à-dire la planète Vénus. Mais nous, dans le cas du trois quarts, on n'a pas Kundungu et Pelekete. Papa Simon Kimbangu nous a disposé un calendrier filandreux qu'on appelle Kimbangu Muna. C'est l'œuvre d'un l'un des premiers pionniers de Papa Simon Belladio. Il est de Mbazangungu, pasteur Papa Gaston Ndoli, Batema. Il monte sur peut-être aller à Mbazangungu là-bas. Alors, ce jour, nous l'appelons le jour de Konzo. Et le mois, c'est le mois de Mbangala. Le mois de Mbangala qui a commencé le 3 octobre. Aujourd'hui, on est au 23e jour de Mbangala. Et le jour se Konzo. Ngunza Fulukidi Mbafwa. Prezo. Mon parrain. Papa, merci de nous consoler. C'est vrai, nous étions un peu affligés. Mais ce que nous venons d'écouter aujourd'hui nous rassure. Ainsi, Papa Simon Kimbangu Kiangani, merci. Merci parce que ça prouve à suffisance que vraiment tu es le consolateur. Et tu le consoles toujours. Tu trouves les mots pour nous. Et merci à cet effet. Pour cette assistance pour Wanatu Yandala. Vous savez, la chanson qu'on a chantée, Ngunza Fulukidi Mubafwa, j'aimerais bien en tant que Congo, comme Mazé de Mandombe, vous dire un petit mot à propos du mot Ngunza. Le doyen Saïdi, qui a traduit, il a fait son lingala en disant Ngunza, c'est-à-dire Moutindami. Mais le Kikongo, c'est la langue divine. C'est l'unique langue qui va régner. Parce que Papa Kimbangu, le 6 avril 21, il dit, je vous amène trois choses. L'église, mon institution spirituelle, mon institution spirituelle. C'est-à-dire, ma spiritualité est instituée ici-bas sous le soleil. L'institution. Donc, on appelle ça église. Ça prête à confusion, l'église. Il y a beaucoup d'églises, mais non, ça n'a rien à voir. C'est plus grand que ça. C'est plus grand, c'est une civilisation. Le kimbanguisme. D'abord, le 3 avril 2003, c'était à l'endroit où le corps s'est reposé, Matadi Mayo. Papa Simon Kimbangu avait dit, dorénavant, ne dites plus East Oye. Non, c'est Isme Oye, kimbanguisme. Donc, en y vivant une nouvelle civilisation, cette civilisation qui va guider l'humanité dans le monde entier. Alors, je disais tantôt que, depuis le 7 21, il y a une nouvelle donne qui est là. Parce que son but est de restaurer l'humanité dans son état premier, c'est-à-dire redisposer le monde dans des conditions dont il parle souvent du compteur à zéro. Les dispositions idéales, initiales, avant le coup d'état de l'Éden. Et oui, mes amis. Tata Kimbangu Kiangani, merci. Sa divinité, merci. Ton amour majestueux vis-à-vis de nous est incommensurable. Et à cet effet, papa, que dire? Nous y reviendrons. Et donc, je disais par rapport le mot Ngunza, Ngunza, Ngunza. Donc, quand on traduit ça prophète, non. Nous, prophètes, c'est celui qui prophétise, qui annonce ce qui va arriver. L'équivalent du prophète en Congo, c'est Mikudi. Donc on a Bikula, Mamu Menakwiza. Mais Yani, Yingudi Anza. C'est-à-dire que Ngu, on faisait déjà du principe de Mandombe. Les mots Congo ont une portée, point de vue étymologique, très fort. Quand on dit Ngunza, c'est Ngudi. Ngudi, donc la matrice. Et Nza, c'est le monde, l'univers. Donc la matrice de l'univers. Tata Kimbangu, le Saint-Esprit,
est la matrice de l'univers. Est la matrice de l'univers. Un autre élément à ajouter pour finir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, Papa Mizé, les tout à l'heure, ce que Papa Mizé nous a lu, il a parlé de la quantité des croyants qui sont derrière sa divinité, Papa Simon Kiangani. 9 milliards! Et oui, mes amis, des croyants. 9 milliards! Comme par hasard, le chiffre 9 revient toujours. Yindougou Apiluka. Et oui, mes amis. Ceux qui ont appris le Mandombe comprennent ce que je dis. Ndungu Apiluka, Ndungu, Ndungu. Papa Kimbangu, la RD Congo, c'est le seul pays, le royaume des Congo, Dia Congo, le royaume divin, le dé, là, c'est pas la démocratique, c'est pas la démon, non, c'est pas le démon, nous c'est, parce que Papa Dengene Routima avait réagi. Quand en 1991, le Marshal Mobutu Sese Seko Banga avait parlé du discours du mois d'avril, il dit la démocratie. Et là, le témoin de cet échange, c'est papa, mon grand frère de la communication, le révérend, qui nous avait signifié cela. Entre deux systèmes démocratiques et le système que vous avez aujourd'hui, vous appelez dictature, quels sont les deux systèmes qui correspondent? Non, c'est pas la démocratique, non. C'est le royaume divin Congo. Et donc je disais que le Congo, c'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. 9 frontières, s'il vous plaît. 9. On peut les compter. 9 frontières. C'est 9 pays qui touchent les gens tout. Et comme par hasard, dans le corps humain a 9 orifices. Et l'humain, d'ailleurs, pour une gestation convenable et appropriée, la gestation de l'homme dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. Et oui, mes amis. Le chiffre 9, le chiffre du renouvellement. Parce que quand vous comptez, en ce qui concerne les chiffres, pour ce qui est. Parce que nous, en Congo, on appelle Ndalou. Quand on parle Ndalou, on précise de Mandombe, Pakundungu, qui devient Pelekete, Pelekete qui devient Pakundungu. Donc, Luta. La symétrie de Ndalou, c'est Luta. Donc, le bénéfice du chiffre 9. Il y a une Ndungu Apiluka. Alors, Tata Kimbangu, qui est donc le Ndungu Apiluka, quand ce corps mortel, c'est cette masse terrestre qu'il a portée en 1887, le 12 septembre, ce corps-là est resté sous terre pendant 9 ans, 9 ans s'il vous plaît, de 51 au 25 mars 1960, qui est donc notre date d'anniversaire, parce que nous sommes nés le 25 mars, parce que les médias Kimbangu sont nés le 25 mars. Date à laquelle Papa Simon Kimbangu, deuxième, Papa Diangena, donc, prend la caméra, il donne à Papa Kalamvui là. Pour immortaliser les images de l'exhumation de ce corps qui est sous terre pendant 9 ans. Mais ce n'est pas mélangé avec la boue terrestre. Ce corps-là qui est dorénavant placé dans un sanctuaire que nous appelons très affectueusement. Ne dites pas mausolée, hein, s'il vous plaît. Pas de mausolée, parce que mausole, c'est un turc. Eh oui, mes amis. C'est un nom qui est issu d'un ancien. Turc qui s'appelait Mosol et c'était parti de Mosol. Non, nous c'est le Kilombo, le sanctuaire, sanctification, sanctifié, sainteté. Kilombo, qui est un longo, qui est Nayengolo. Parce que toujours est-il, toujours la langue Congo, quand vous prenez le mot longo, en faisant la symétrie, c'est ce qui est Ngolo. Quand tu es un longo, tu es Ngolo. Et oui, mes amis, ça c'est encore, venez apprendre le Mandombe. Parce que nous, aujourd'hui, nous arrivons à démontrer l'effet spirituel et scientifique, s'il vous plaît. Et ça, c'est grâce à Pakundungu et Pelekete. Mouna Pakundungu et Mouna Pelekete. C'est dommage, d'aucun ne le suit pas. Alors que le Christ, quand je l'appelle Papa Dialongana, mon modèle scientifique, parce que c'est lui qui a dit à Papa Beladio, hein, en 14, il dit, tu es au zénith. Il dormait dans la rue Fouekele. Le deuxième arrondissement du Congo, Mbanzaki Mbangu. Ce qu'on appelle en franc-maçonnique, bon, Bazaville. Non, moi, j'aime pas dire franc-maçonnique. J'appelle ça Mbanza Kimbangu, les pieds d'Ata Kimbangu, parce que c'est le fils aîné du Kimbanguisme. C'est là où, quand Papa Kimbangu est, quand vous prenez la forme qu'il a dans le sanctuaire, si c'est mieux debout, eh bien, c'est mieux de par les pieds. Et Banile Makambo. Donc, Mbanza Vele, la porte de la Nouvelle Jérusalem. Donc, Mbanza Kimbangu. Voilà le qualificatif approprié et convenable. Donc, Tata Kimbangu, qui donc nous a donné cette science Mandombe, avec lequel nous arrivons à expliquer certains faits spirituels scientifiquement. Et là, je disais tantôt, pour finir, le mot Ngunza, ça vient de Ngudi Anza.
D'où d'ailleurs, moi j'ai toujours dit, dans le cas de ma nommée, papa qui se loquelait, de quel appel Nza Ambi Ambungutu Lendo. Oui, c'est la réaction d'après Adam. Adam, après avoir connu sa forfaiture, il qualifie l'esprit qui vient les visiter vers le soir. Il dit, mais Nza Ambi Ambungutu Lendo. Papa, le Christ Jésus, quand il est venu sur terre, papa demandait, il disait non, Nza Kayambiko. Ben non, Lou Kitukidi Bambi. Le monde n'est pas mauvais en tant que tel. Hein. D'ailleurs, les animaux sont fâchés contre vous. Aujourd'hui, l'anophèle, le moustique, à qui tu as donné, la qualification, la désignation, te peut éliminer de ce corps. Te faire disparaître de cette terre. Les gens ont peur des animaux. Vous connaissez l'anecdote du lion. Ngwamboulou. Mon boudou, c'est son coucou et de Wazabaga. Il avait laissé ses lions affamés. Il a fait appel à ses prêtres qui semblaient être présentés de Dieu. Mais papa Diangenda avait prouvé qu'il y a un qui contrôle la matière, qui a autorité sur les animaux. Parce que c'est nous qui avons l'autorité. Papa qui se loquait, quand il crée toutes choses sur terre par la parole, le reste des choses, au sixième jour, quand il nous dispose, il nous met sur terre, il dit Adam, Karamouki. D'ailleurs, le terme sur l'appellation convenable, c'est Mouki, qui avait Bouka, qui venait de Bouka. Il a eu le devoir de prendre soin toutes les créatures qui étaient disposées sur terre par la parole seulement. Or, nous, c'est les trois glorieux. D'ailleurs, la posture qu'ils avaient, c'est cette posture de génuflexion. D'où la génuflexion, vous, on dit en français, genoux, genoux. Mais Fukama, Fukamene. Nous, on s'agenouille devant la possession de la Kimbangu, c'est le cadre de Fukameimene. Parce que les trois glorieux, quand ils ont créé Adam, si vous avez cette image d'inspirer qu'on avait reçue à Manzagimangu, l'inspiration, vous voyez qu'il crée l'homme, Kakambuki, avec de la génuflexion. Ils sont en flexion, genoux. Donc, Mfukamene. Donc, c'est pourquoi le Mfukamene, Mfukameimene. Nous venons finir notre. On est redevable. C'est un devoir de redevabilité. Donc, on finit sa dette en quelque sorte. D'où la posture de génuflexion. Mfukamene, Kwange, Yenzambiame. Unsukula yavelela wamvana kikesa yakala yezola yalunda misiku yesala bisalu mpasi mukembwa kukiako. Donc Mfukamene, nous sommes tous redevables vis-à-vis de la postérité convenable, s'il vous plaît. Pas la postérité abrutie, pas la postérité qui s'ignore. Simplement par respect. Je dis bien, cette postérité, moi, car vous, il y a parce que vous, nous, qui êtes dans mon âme passé, hein, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Qui ne savent pas ce qu'ils disent. Qui ne savent pas ce qu'ils disent. Mais ils sont contents de vous, hein. Nous, 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 quand ben nous baguie chitre, ah, mon chef spirituel, ah, on doit ici, oh, ben qui m'a pas pour ma manza, il y a un niveau. On voit le bakini mama kinzenza. Lui, je m'attire à ma diboundu. Kinzenza kine. Tala. Ndinga zaka kaza isa wamukuma kambi. Botu telegevo. Kinzenza kwani. Kuna kinkulu kambi. Ndinga zaka ikidingi. Natanga mu Genèse 11. Kinkulu kakan kaket kaket nimiluken. Kaka nimiluken. Nimilode kutu. Kutu nimilode. Yan nimilode vanga kimpakina. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Walimizula. Yani, yinkara kimbangu. Yani, yinkara kimbangu. Mansueki, mfumudiswemi. Tufukole.